Et Ohio, c'est Gunsho. Et aujourd'hui, je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mes aventures. Donc c'est parti. Donc j'étais avec ce monsieur là, du rail. Qui est un vrai rayon de soleil dans cette journée morose. À votre avis, il dit la vérité? En parlant de vérité, pourquoi vous avez menti à Ricky? Mon boulot, c'est de dégoter des infos, et c'est plus facile si personne sait qui je suis. J'ai menti, oui, ça m'arrive. Vous avez géré la discussion, et moi, j'ai pu vous regarder faire. Ça, c'est du travail d'équipe. Pourquoi Ricky nous mentirait? Tout le monde a ses raisons de mentir. Peut-être qu'il est passé à l'ennemi, ou plus probablement, il est juste en rogne contre nous. À vous de choisir. Ok. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un de malhonnête? C'est ce que je me disais. Et la première règle chez nous, c'est de toujours suivre son instinct. Alors, si on croit sur parole, l'entrée est bourrée de mines, de synthétiques et sûrement de tout un tas d'autres trucs sympas. Donc, on va passer par le tunnel d'évacuation. Ok. La boutique de Donuts a un tunnel d'évacuation? Comme toute boutique qui se respecte, non? Sérieusement, heureusement qu'il est là. Sans lui, le réseau du rail aurait totalement disparu ce jour-là. Non, je propose de passer par l'entrée. Champ de mine ou non? Quoi? Bon, si vous pensez qu'on peut s'en sortir, je suis avec vous. Vous passez devant? J'aurais bien besoin d'une cigarette. Il faut passer par où? Il vous faut autre chose. Ok, d'accord. Sur moi, j'ai pas de la bouffe d'animal. Voyons voir. Ok, d'accord, je vais passer par là, par contre j'ai pas envie de sauter, on va dire, on va passer par là. Ouais, ça c'est les coups que j'ai tués en mode barbare. Quand même le chargeur, je crois qu'il faudra que je change de cette arme parce que j'ai que 9 balles, quoi. En fait, en gros, je tire, bam. Ok, on doit aller par là-bas. Non mais... C'est tout juste à m'amuser, c'est comme ça qu'on fait par ici. Merde, pourquoi j'ai ramassé une tasse à café, mais sérieux. Je me rappelle plus si je l'ai ramassé ça. Et si je l'ai ramassé normalement, il y a une armure ici. Comment ça va spawn là? Moi, je crois qu'elle est en équilibre là. Ok, d'accord. Moi je vais pas par le tunnel parce que j'ai envie de d'affronter, on va dire, les synthétiques et les champs de mine. Alors, t'as quel champ de mine, elle est putain d'enfoiré synthétique. Ok, si j'ai bien compris, c'est ce bâtiment qui est vers là. Il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Oui. Mouvement détecté. Curieux.
crétin. Ôtez votre sécurité. On a de la compagnie. Personne. Ils ont tous cramé ou quoi? Sérieux. Sérieux, ils ont tous cramé. Ici, apparemment, il n'y a que d'elle. Si, il y a ça, quand même. Système désactivé. Ok. Sous-sol. Ok, bon ben c'est parti. Allons-y à l'intérieur. on est arrivé. C'était rapide. Mes capteurs détectent une présence. Ah, mais je reconnais cet endroit. La dernière fois, je voulais passer par là, que c'était fermé. Je me demandais qu'est-ce que c'est ce bordel, pourquoi je pouvais pas passer par là. Ok, maintenant je comprends mieux, ok d'accord. Je me dis qu'il y avait un truc bizarre là. Je dis apparemment, ce n'est rien. Mes capteurs ont peut-être besoin d'être calibrés. Moi, pas vraiment. Mm-hmm. Mes capteurs doivent être trop sensibles. Deacon. Je croyais pas revoir cet endroit un jour. Quelqu'un a le manuel parce que là franchement... C'était une erreur. Aucun ennemi détecté. Il y a quelqu'un. Il y a un bouton, je sais pas, il y a quoi... Ok, il y a un échec au niveau de l'optionnel, ok d'accord. La porte principale est bloquée. Booster, merci. Ok, bon. Fuck. La sensibilité. Fuck. Pourquoi ça peut marcher? Ok, vous voulez rentrer par l'entrée principale. Bon, on va rentrer par la secondaire, hein, tunnel évocation. J'ai un peu dégueu. J'aurais mieux voulu passer par là. C'est pas grave. Bon, je me demande si quelqu'un aurait réussi à faire ça parmi les youtubeurs qui l'ont fait. Dites-moi-le en commentaire. Hein. Comment vous avez fait pour passer comme ça. Bon, je sais pas. Ok d'accord. Ah ok. Non. Ah ouais. Ah chouette, un égout. Oh pétard. L'entrée de secours est plus sûre, mais attendez-vous à croiser des synthétiques de première et deuxième génération. Bon, il est temps que vous sachiez ce qu'on fait ici. On vient récupérer un prototype mis au point par notre brave docteur Carrington. Mm-hmm. Étrange. Mes capteurs doivent avoir un souci.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les synthétiques de première et deuxième génération ? Au début, les synthétiques n'étaient pas des copies parfaites des humains. L'Institut a mis du temps pour arriver aux modèles actuels. Les générations A et 2 sont des versions intermédiaires. Les membres du réseau ne sont pas tous du même avis en ce qui les concerne. D'où vient cette divergence d'opinion ? Tout le monde veut libérer les synthétiques de troisième génération, ceux qui ont l'air humains. Et certains synthétiques du réseau, comme Glory, pensent qu'on doit aussi aider les autres. Mais ceux de première génération se rapprochent plus des robots. C'est là que ça devient confus. Est-ce qu'on défend les droits des IA, des ordinateurs, des tourelles, tant qu'à faire ? Chaque fois que ça revient sur le tapis, ça fait du vilain. Et les mêmes vieux arguments ressortent. Le résultat, c'est que Glory et quelques autres refusent ce genre de mission. Ok. Qui est le docteur Carrington ? Si tout se passe bien, vous ferez bientôt sa connaissance. Je risque ma peau ici, donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Je vais être franc avec vous, même si ça va pas vous plaire. J'ai aucune idée de ce qu'il fait, ce prototype. Les agents du réseau sont traités comme des champignons. On nous laisse tout le temps dans le noir et on nous nourrit. Enfin, vous voyez. Mais ça doit être foutrement important. Dez risquerait pas de nous perdre à la légère. D'accord. C'est parti ! Allons chercher ce prototype. À nous deux, je pense qu'on a une bonne chance d'y arriver. D'abord, on doit neutraliser le verrouillage. Bon, son novice, ça doit le faire. Ça, c'est pas 100 mètres, lol. Ouais. Vous avez trouvé quelque chose d'utile ou vous nous faites encore perdre notre temps ? Viens là. Apparemment, il y a eu de la baston. Apparemment, ouais, il y a eu de la baston. Quoi. Merde. C'est comme ça qu'on fait par ici. Ouais, mais d'où il sort lui, Lord Gaffard là-haut? Bonjour toi. Attendez. Vous voyez la boîte au centre de ce signal? Ça veut dire qu'il y a une cachette pas loin. Steven a dû réussir à planquer un truc avant de se faire. Enfin, vous savez. Ouais, il est dans le coin. Ok. Un ennemi semble employer des manœuvres furtives. Intéressant. Servomoteur de jambes endommagé. Vous voilà. Je vais pas faire long feu. Ça, c'est ce que j'appelle une élimination confirmée. Ah. Il est chasseur, mais ça a sans doute sauvé des vies. Je sais pas si vous avez déjà un chasseur. C'est ce que l'Institut a fait de mieux pour détruire la vie. Il ne devrait pas y en avoir ici. Il vous envoyait un. Ouais. Si j'en vois un, courez. Ouais. Tu me fous chier en étant ça. Sur les toits, ils sont tous KO. Avec où ça? Le mec quoi, en mode Wad, tu te pousses. Pourquoi il voit ça? Sérieux? Bon, on va ouvrir la banque de McCready. Hey. Alors? Je déclare ouverte la banque McCready des terres désolées de la capitale. Tu vas recevoir des nouveaux petits joujoux dans ta banque. Ok.
Merde, voilà. Je vais prendre un pistolet automatique. Okay. Voilà. Ma crédit est rempli à un bord. Chouette, un carton qui s'est poussé de je sais pas où. Mes capteurs détectent une présence ennemie. Ah bon? Encore un terminal actif. Oh oui. On n'a pas eu le temps de déclencher les défenses plus loin. Mettez-les donc en marche. Ça fera une peine. Alors, micro-logiciel commande, hein, tourelle V813, état hors ligne, rien à signaler. Activation. Bon, j'espère qu'elle peut m'attaquer. Une surprise à nos amis, il y a quelqu'un. Elle a pas servi grand chose, hein. Programme de combat, élimination de tous les ennemis. Elle a pas vraiment servi quelque chose, hein, perso. Ça fait désosser au moins deux. Quelle perte de temps. Ok, on passe par le tunnel, ok, d'accord. Carton. Ok, encore une porte. Et voilà. De la porte. Allez! Ah putain, à chaque fois je laisse pas le truc. Ok. Votre élimination est nécessaire. Destruction d'un autre synthétique confirmée. Servomoteur de bras. Je sais pas pour vous, mais dernièrement ils ont parlé de. Pour les nouvelles mages, on va dire, du jeu en fait, qui va bientôt arriver, on va dire, les extensions là. On va bientôt commencer la première. Donc, franchement, la première, quand elle arrivera, j'espère que j'aurai fini le jeu, du moins l'histoire principale. Comme ça, je pourrais faire la suite, on va dire, des événements, on va dire. Ça, je récupère. Un endroit qui n'a jamais existé. On l'appelle le standard. Le prototype est sous clé au cœur du complexe. Ok. Eh c'est... Ouais ouais, ah là... C'est un... Ah ouais, c'est... Le lance-clés là. C'est un truc des anges en secret. Ok. Chose sans intérêt, on va dire. Ça sert à quoi de ramasser toutes ces cochonneries? À crafter d'autres choses qui sont très utiles. Quatre trucs de cuisine. Tac tac, ok, d'accord, mais on avance hein. Je remets ça. Je peux marcher avec. Enfin, de toute façon. Ah, de toute façon, je suis pas sur le poids, non? Oh, encore. Presque! Oh, fuck!
va ouvrir ça. Ça y est. Sérieux là ? Oh yeah! Trois numéros manuels des opérations secrètes US Army. Yeah yeah, maintenant on est plus difficile à se faire détecter par l'ennemi. Ça c'est cool, ah oui. Je vais devenir invisible. Pourquoi j'en m'a fait ça moi? Oh fuck. Je fais au hasard, je casse pas la tête. Ça y est. Voilà. Ok, j'ai désactivé les défenses là. C'est-à-dire ça. Impressionnant, non? Saleté de synthétique. J'aurais votre peau. Enfin, j'ai eu votre carcasse métallique. Je commence l'élimination de la forme de vie organique. Tout ce que tu sais faire. Oh, erreur fatale. J'adore quand il est seul. Quelqu'un fait nettoyer ici? Non, je pense pas. Tu l'as depuis l'élus. Sinon. Soin. Un journal. Ouais. Vas-y, un truc. Allez! Allez, Ticon, pousse-toi. Fermez. Un. Savoir les poils là qui commencent à poser un petit peu aussi peut-être. C'est pas loin. Voilà. Joli. C'est pas loin. Un petit bug, j'ai eu un petit souci on va dire, donc voilà, j'ai pu tuer ces gros méchants pas beaux là de tas de ferraille, mais le problème c'est que j'ai pas enregistré, donc en gros voilà, c'est un peu mort pour ces cadavres. Où est-ce que vous avez pu... Stanley, salut, c'est Grotti, Suprême Alex. Excellent. Sésame, ouvre-moi. Donc voilà. Fermez la porte blindée à temps. Le prototype de Carrington est là-dedans. Ok.
On dirait qu'ils étaient pressés de partir. Alors Tommy Whispers s'en est passé. En protégeant nos secrets. Laissez-moi voir. Là, Tommy aurait voulu que vous preniez son flingue. Vous fiez pas à sa taille. Ah bon? Qu'est-ce que cette arme a de spécial? Tom la bricole l'a réparée. Vous ferez sa connaissance plus tard. C'est de la technologie de pointe de l'ancien monde. Puissante et surtout silencieuse. Vous en trouverez jamais de pareil. Libérateur. Mouais. Prenez le prototype de Carrington. Si vous le remettez à Desdemona, elle sera bien obligée de vous accepter dans notre bande de joyeux lurons. Au revoir, Tom. Merde, bon, j'ai ramassé ça. Fuck. C'est ça. Merde. Je m'en fous ça. Attendez, on n'a pas besoin de ça? Non. Et toi? Oh ouais. C'est quoi ça? Prototype de Kaito. Ok. L'ascenseur est au bout du couloir. Ah, la Steel Balls. Rien d'autre intéressant là. Sérieux. Oui. Ça règne pour une fourchette d'argent, sérieux. On a pu mettre quelque chose de mieux quand même. Et voilà. Allez, on ouvre la porte, hein. Oh. C'est ouvert là, tout simplement. Ça, un caddie là, sérieux. Bon, perso. Merde. Il faut ça rajouter des trucs. Non, ça change rien. Ok, d'accord. Arme de fortune, non merci, mais. Que j'ai de
capsule, ça je prends bien. Hop là, ça tu le vire. Ça j'en ai bien. Et là-dedans il y a quoi? Pack de cigarettes, ça, ok d'accord. Radix. Ouais. On va dire c'est pas grand chose, hein, mais bon, c'est déjà ça. On va dire. 15 bords de ce côté. Fuck you. J'ai été un petit peu congelé. Oh shit. Ah, c'est sûr, pas où. Je pensais pas qu'il y avait des mines en fait. Je ne pensais pas qu'il y avait des connasses de mines. J'ai subi des dégâts. Tu résistes, toi! Tu résistes. Mataku! Ah! Yatta! Yatta, ça sert que j'ai ouvert ce machin. À quoi ça sert? Pourquoi j'ai ouvert ce truc? Un réacteur, ok. Ah, si c'est pour récupérer un réacteur, mouais. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a un truc, une action à faire? Bon, ok. Ok, c'est pas vraiment le truc vraiment utile que je connaisse d'avoir fait, mais bon. Comment est-ce qu'on peut passer derrière de ce... Peut-être, qui sait. Je vais voir quand je vais avancer. Hein. Quelque chose d'utile à couper. Je ne sais point. Deux. Activation à l'ascenseur terminée. Enfin, bref, voilà, j'ai réussi à... Enfin, voilà quoi, réussi à sortir de cette chose... De bâtiment. Je sais, c'est pas très 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 français que ce que je viens de dire. Est-ce que ça en valait la peine? Tout ce que je sais, c'est que l'opération a été autorisée par Dez. J'espère juste qu'on n'a pas fait tout ça pour récupérer un nouveau modèle de cafetière. Allez, à plus. Ok, à plus. Ok, ben les gens, je pense qu'on va s'arrêter sur cet épisode. Donc, voilà, je pense que ça suffira pour ce moment, on va dire. Ouais, bref. Donc voilà, je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée. Tout dépend quand, bon matin, tout dépend quand vous la voyez. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard pour une partie. C'était Gajo. Bye bye.